We are the guardians of peace and justice. Beyond the stars is a near endless frontier. Our order was meant to shine its light in even the darkest corners of the galaxy. The fate of all Jedi. For control of the Force itself. Que vous avez sous les yeux est la partie spoil, plus de retour arrière possible. Et ce que vous voyez, ce sont mes notes que j'ai prises à chaque fois. Donc vous allez prendre comme ça, hein. Des fois j'ai mes propres mots à moi pour m'exprimer, mais je suis là pour vous expliquer un peu plus ce que j'entendais par là, parce que j'ai vraiment fait des résumés, très résumés. Je suis vraiment pas rentré dans les détails. Et donc là on va parcourir les 44 chapitres du bouquin. Alors si vous êtes prêts, on y va. Alors, dans le tout premier chapitre, on a Eda Cassette à la tête du Legacy Run. Et elle, son but, c'est vraiment de prendre à cœur le bien-être de ses passagers. Tu sens que, comme il l'a décrit à chaque fois, il l'a décrit comme une grande pilote, comme quelqu'un qui dirige, comme quelqu'un qui est soucieuse des gens. Je sais qu'à un moment, elle va voir des personnes, vraiment, elle fait un tour dans son vaisseau et puis elle prend à cœur le bien-être de ses passagers. Et à un moment, arrivé, donc ils sont en hyperespace. Et il voit quelque chose en hyperespace, il se demande ce que c'est. Et elle se dit, c'est bon, allez, je vais y arriver, je vais essayer de l'éviter. Mais tout en ne comprenant pas ce qui se passe. Parce que normalement, en hyperespace, c'est un chemin qui est calculé pour qu'il n'y ait aucune collision. Et là, ils voient quelque chose et tout, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et elle arrive à légèrement éviter cette collision en hyperespace. Mais finalement, le vaisseau est démoli, il se démultiplie, il est splitté en plein de parties, et elle meurt. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, il dit jamais vraiment qu'un personnage meurt, Charles Soule, quand il écrit, mais t'arrives à le comprendre, et c'est dit de manière romancée, hein, c'est le but, mais c'est toujours très bien dit. Mais aussi, ce que je me souviens, c'est que c'est très trash, en fait, parce que, en fait, il te décrit des personnages comme elle, par exemple, Eda Cassette, et puis en fait, dans le même chapitre, boum, elle meurt. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Passe au chapitre 2. Et dans le chapitre 2, là, on passe totalement sur autre chose. On se retrouve avec Merven, qui est un surveillant de ce qui entre et sort de la planète du système Edzal. Donc c'est un système qu'on découvre à ce moment-là. Il se trouve avec Rel, qui est sa collègue, et il pense à Cella, celle qu'il aime. On apprend qu'il aimerait bien, après son travail, aller prendre un café à l'endroit où celle qu'il aime sert. Elle sert les cafés. Et il se dit, cette fois, je vais peut-être l'inviter et tout ça. Mais il détecte des débris qui rentrent dans l'atmosphère et ils envoient un signal. Et il y a un débris qui arrive trop vite sur eux et les tue. Voilà, littéralement, c'est ce genre de truc, c'est vraiment très trash au début, c'est très direct, enfin en tout cas t'es directement dedans, quoi, parce que il te décrit des personnages qui en fait meurent dans le même chapitre, donc bon, c'est comme ça. Chapitre 3, là, encore une fois, on est autre part, le ministre Eka reçoit le signal depuis Edzal Prime. Alors, je sais pas si je le dis dans la suite, mais en tout cas, Eka, c'est voilà le ministre du système Edzal qui est, on va dire, à la tête, hein, qui est au gouvernement de ce système Edzal, dont les débris du Legacy Run sont en train de tomber. Kevin Tarr diffuse l'information pour que tout le système sache ce qu'il se passe. Alors, je vous le décris peut-être un peu plus parce que là, je ne l'ai pas décrit évidemment, mais Kevin Tarr, c'est un personnage qui est donc sous la tutelle du ministre Eka, mais c'est un personnage qui est hyper technique. Il est super performant et donc il réussit à bidouiller pour que sur tout le système, il puisse diffuser le message que barrez-vous, faites en sorte de vous en aller. Donc la haute autorité décide de faire évacuer un maximum de monde et ils interceptent un appel de Avar Kriss, une maître Jedi. Chapitre 4, Avar Kriss justement. Elle arrive avec le Third Horizon, un énorme vaisseau de la Haute République. Et je pense que vous pouvez voir qui c'est, Avar Kriss en première de couverture au premier plan. Et de nombreux petits vaisseaux sortent pour aider tout le monde
à évacuer. Et c'est tout pour ce chapitre 4. Chapitre 5. Bell Zetifar, qui est un apprenti Jedi humain, et Loden Greatstorm, son maître, un Twi'lek. Ils sont à bord du vaisseau de Loden, qui est nommé le Nova, pour aider sur Ezzal Prime. Loden est un maître strict, mais il laisse Bell diriger malgré les risques. En fait, c'est ça, il est décrit vraiment comme un maître qui va le... En gros, qui a une grande capacité, qui est très fort, tu sens que c'est un maître voilà, qui est très puissant. Mais en fait, il s'en remet à son padawan et il lui laisse faire toujours les choses, bien que parfois ça se joue à ça, des moments il a même sa vie en jeu. Alors, des fois quand ça arrive, il prend les choses en main, mais c'est vraiment au dernier moment. Mais c'est vraiment pour pousser Bell, parce que Bell a un certain manque de confiance, et puis il est aussi assez... Je dirais pas tout jeune apprenti, mais tu sens qu'il a encore beaucoup de difficultés, de confiance en soi, de moyens pour se connecter avec la force. On va dire que c'est un Ezra, en fait, un peu Bell. Pas totalement dans son caractère, pas du tout, mais en termes de capacité au tout début, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il essaye, même s'il a une formation, évidemment, mais il essaye de se connecter tant bien que mal. Et donc là, ils sont en train de descendre pour chercher des survivants. Et ce que je me souviens à ce moment-là, c'est que de ce que j'ai compris, la pesanteur était assez forte sur la planète sur laquelle ils vont. Et en fait, ils sont en mode un peu chute libre avec leur vaisseau. Et donc, Loden, son maître, il est un peu là, genre, bon, bah écoute, vas-y, je te laisse faire, hein, tu stoppes le vaisseau et tout, moi je fais rien. Et puis, bah, il est un peu en mode panique, Bell, ce qui est assez drôle comme situation à ce moment-là. Parce que ils sont dans un truc de sauvetage, ils doivent tout faire pour, mais en fait, Loden le laisse faire, mais c'est son caractère, il est comme ça et c'est. C'est bien en fait. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir Loden, je crois qu'on le voit ici. Oui, c'est celui qui est tout au bout là. Voilà. Donc c'est le Twi'lek. Chapitre 6. Le capitaine Bright, Petty Inamin et Ensign Peoples à bord du Aurora 9. Alors voilà, là je vous cite que les noms, hein, je vous décris pas les personnages encore une fois. Hein. Et puis oubliez pas que ce sont mes notes à moi pour juste que je me souvienne. Et donc on sait que voilà, ils sont à bord d'un Aurora 9. Ce sont des. Alors eux, ce ne sont pas des Jedi. Hein. Le capitaine Bright, Petty Inamin et Ensign Peoples. Ce sont des personnes qui sont à bord, qui s'occupent de conduire un vaisseau. Donc le Aurora 9. Ils tirent sur un des débris s'en allant percuter une station solaire orbitale habitée. De ce que je me souviens, comme elle est décrite, c'est une sorte de station pieuvre, entre guillemets. Il me semble que, je sais pas si on a déjà des exemples comme ça dans Star Wars, il me semble que si, mais on dirait que c'est comme si en fait les pattes de la pieuvre alimentent des systèmes, des planètes, et c'est une sorte de gros panneaux solaires qui récoltent l'énergie et qui va les diffuser sur les planètes. Mais ils ratent leur cible. Et la station est grandement détruite. Alors pas totalement, je sais qu'elle est, ils sont pas rentrés, le débris est pas rentré pleinement dedans, mais dans une partie. Et je crois qu'il y a certaines pattes de la pieuvre de cette station orbitale qui sont détruites. Et donc là, ils s'apprêtent à faire un sauvetage à haut risque de potentiels survivants qui seraient dessus. Chapitre 7. Un long beam. Alors c'est. Je sais pas la traduction en français, mais voilà, ils appellent Long Beam, alors c'est peut-être le nom d'un vaisseau carrément, hein. Mais les Long Beam, c'est plus des vaisseaux, des gros vaisseaux, peut-être pas amiral, je suis pas un expert dans les vaisseaux, c'est un gros vaisseau, et trois vaisseaux, alors ils appellent, j'ai pas mis le nom ici, mais ils appellent ça des Vectors, et donc c'est plus des petits vaisseaux à la, c'est pas des X-Wing, je pense que c'est plus comme dans l'épisode 1, à peu près ce que conduit Anakin à la toute fin de l'épisode 1. Je ne saurais plus retrouver le nom, mais c'est à peu près ces genres de vaisseaux-là, comme ils ont été décrits. Donc ils s'apprêtent à tirer sur un débris, donc un autre débris, hein, ils sont à un autre endroit. Cela pour protéger ce qui est appelé, encore une fois, moi j'ai les noms anglais, hein, la Frighted Moon, qui abrite 4 milliards d'êtres vivants fermiers. Les Jedi Nib et son padawan Wookie Buriyaga, Teami et Mikkel sont dans les vaisseaux, donc dans les Vectors, et eux ce sont des Jedi. Les pilotes Joss et sa femme Pika sont dans le long beam. Donc c'est ça, en fait, Joss et Pika ne sont pas des Jedi, ils sont mari et femme, ils conduisent le long beam et ils sont avec... ils dirigent, ils ordonnent un peu... ils donnent les ordres aux Vectors, donc aux Jedi, donc le Wookiee Buriyaga, Teami et Mikkel. Et ils s'apprêtent tous à tirer quand, soudain, le Wookiee
sans des survivants, donc ils ne font rien. Donc c'est ça, le débris sur lequel ils allaient tirer, il y a des survivants dessus. Et en fait, je ne le décris pas ici, mais je m'en souviens, Buriyaga, le Wookiee, ce qui est bien, c'est que Charles Soule ne décrit pas pour tout le monde, mais pour pas mal de Jedi, chaque Jedi a une manière de ressentir la Force. Et Buriyaga, lui, le Wookiee, c'est vraiment ressentir tous les sentiments. Et en fait, au moment où il s'apprêtait à tirer, il ressentait la peur à bord du débris. Et donc, il se dit, ah mais voilà, il y a forcément des personnes. Et donc, il a fait en sorte de les sauver. Mais là, le dilemme, c'est que le débris, il va s'écraser contre la fruitée de Moon avec 4 milliards d'habitants. Donc, en fait, là, c'est soit tu dis, je fais rien. Parce qu'il y a des survivants dessus, mais s'il s'écrase, en fait, ça fera les morts du débris plus ceux de la Lune. Soit, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Soit est-ce qu'on détruit juste ce débris, ça fera que quelques morts, mais voilà, les Jedi ne sont jamais vraiment satisfaits par ce genre d'options. Chapitre 8. Et c'est là où, c'est ce que je disais dans ma vidéo non-spoil, c'est que vraiment, on passe toujours d'un moment à un autre. Et là, c'est des moments qui sont très... les chapitres sont assez courts, hein, c'est du 5 à 10 pages, plutôt 5 pages. Et ça va vraiment très vite, à chaque fois tu bascules d'un autre d'un contexte à un autre, mais c'est très bien parce que ça garde vraiment une action soutenue, et c'est vraiment très agréable à lire à ce moment-là. Le début en tout cas démarre sur les chapeaux de roue. Donc chapitre 8, retour sur Avar Kriss sur le pont du Third Horizon. Elzar, donc un chevalier Jedi solitaire, et Stellan sont proches et ont grandi ensemble. Alors, j'en parle parce que l'accent a été mis sur ça. Même si Stellan, on le voit pas vraiment pendant tout le long. Je dirais qu'on le revoit à la fin, mais on le voit pas tout le long. C'est surtout Avar Kriss et Elzar qui sont très importants durant tout le roman. C'est expliqué que tous les trois ont grandi ensemble, voilà, comme des amis, ils ont tout fait ensemble, leur formation Padawan, etc. Et ce qu'on sait, c'est que Avar Kriss, donc, c'est une maître Jedi, mais Elzar n'est qu'un chevalier. Il a toujours voulu devenir maître Jedi, mais il a une conception de la Force, lui, qui est assez particulière. Alors, je ne saurais pas vraiment le décrire, mais c'est juste que lui, il aime bien, en quelque sorte, faire des expérimentations. Et son but, ce serait de devenir maître Jedi pour pouvoir proposer lui-même ses propres expérimentations sans avoir de personne qui lui dirige et lui dise « Non, ne fais pas ça ». Donc, quelqu'un qui puisse avoir confiance et que... Et donc, Avar Kriss, elle, comme elle l'apprécie beaucoup, d'ailleurs, on se demande un peu pendant tout le roman s'il pourrait pas y avoir quelque chose entre eux, même si, voilà, ce sont des Jedi, donc... Donc, souvent, elle va le pousser et elle va essayer de l'aider à devenir maître Jedi. Introduction d'une nouvelle personnage, Lina So, et non pas des moindres, parce qu'elle est la chancelière à Coruscant. Donc voilà, une femme à la tête de Coruscant à ce moment-là, dans la Haute République, qui indique à l'amiral Cronara, donc encore une fois un conducteur, un dirigeant de vaisseau, qu'elle envoie des renforts. Voilà, donc elle lui dit, je crois que d'ailleurs l'amiral Cronara, c'est celui qui dirige aussi le Third Horizon avec Avar Kriss en Jedi, en maître Jedi, donc ouais, il me semble que c'est ça. Mais Avar Kriss, elle ressent ce qui se passe au chapitre précédent, donc c'est-à-dire que... C'est-à-dire que Buriyaga sent qu'il y a des êtres vivants et ordonne de sauver ses vies. Voilà. Chapitre 9. Belle réussit à atterrir avec son maître Loden. Il se dirige vers une foule de gens pas contents. Et en fait, il y a des gardes qui ont été payés par des gens riches pour bloquer l'entrée du vaisseau qui leur permettrait de s'échapper de la planète. Donc voilà, des riches ont payé des gardes pour que il n'y ait que les riches qui puissent embarquer. Loden discute et obtient l'accord de laisser entrer, hein, peut-être un peu comme ça. Mais y a des maraudeurs qui surviennent du ciel, de n'importe où, et qui tirent sur la foule. Voilà, très trash encore une fois. Chapitre 10, on revient du côté de Joss et Pika, qui cherchent une solution pour sauver les gens sur le débris en perdition. Donc, voilà, au chapitre précédent, il y a eu Avar Kriss qui a ressenti ça qui a dit « Ok, d'accord, donc votre but, les gars, ça va être de sauver un maximum de personnes, donc essayer de sauver les gens sur le débris. » Et donc, il propose de s'accrocher au débris avec le long beam de Joss et Pika
avec des câbles et de se propulser en fait en arrière pour essayer de ralentir le débris. Et en même temps, il propose aux trois Jedi, donc pour Yaga, Teami, Miken ou je sais plus là, faudrait que je revienne en arrière, mais bon, les Jedi eux donc utiliseraient la Force pour en faire de même. Chapitre 11. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois tu dis j'ai envie de voir la suite, mais à chaque fois t'as d'autres choses. Mais c'est bien, au moins ça me fait penser un peu à une série où un peu genre à du Game of Thrones où t'as toujours plein de d'intrigues au même moment, donc tu sais jamais tout ce qui se passe quoi. Alors, donc chapitre 11, il y a 4 vaisseaux avec des milliers de vies à bord qui s'échappent du système. Vous êtes prêts ? Avant de pouvoir aller plus loin, ils sont pulvérisés par un débris. Voilà, c'est comme ça. Et un autre débris s'échoue dans la mer, tuant, donc dans la mer d'une des lunes, tuant des centaines de vies et provoque des tsunamis. Voilà, chapitre hyper trash, voilà. Mais bon, en même temps, ça rend bien compte de la situation. Chapitre 12. Donc, équipage du Aurora 9 qui atterrissent sur la station solaire spatiale. Donc je vous rappelle, c'est la station en forme de pieuvre, là, partiellement détruite. Bright trouve Sherry blessée et Ren inconscient. Donc ce sont des personnes en fait qui trouvent directement sur la station. Hein. Ils seront pas importants pour la suite, ces personnages-là, parce qu'on ne revoit pas leur nom après. Inamine tente de retarder le moment de l'explosion de la station parce qu'elle est très instable. Et Peoples trouve un autre survivant gravement blessé. Chapitre 13. Loden et Bell, donc le maître et le padawan, combattent les maraudeurs, renvoient les tirs et détruisent les canons. Donc ça, ils se battent contre les maraudeurs et ils arrivent à s'en sortir. Les Jedi parviennent à monter sur le vaisseau. Les maraudeurs s'éjectent. Et ils se mettent à tirer sur la foule, comme ça, allez hop. Et les gardes des riches en font de même. Et Loden utilise alors la Force pour soulever et lâcher en plein air les maraudeurs. Il ouvre finalement les portes aux gens pour qu'ils rejoignent le vaisseau. Voilà, merci à la Force et merci à Loden qui est un très très fort maître Jedi. Chapitre 14. L'amiral Cronara, donc sur le Third Horizon, reçoit un appel de la chancelière So et rassure. La situation se calme. Avar Kriss, la maître Jedi, n'est pas rassurée et demande d'analyser un débris qui se dirige dangereusement vers une étoile. Et c'est décrit comme une étoile R-class. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu dans l'univers de Star Wars. Mais c'est une étoile qui apparemment serait composée d'un liquide Tibana, comme c'est dit, et qui serait dangereux si le débris atteint l'étoile. Et qui pourrait donc détruire pratiquement tout le système, hein, comme c'est décrit. Donc là, ça devient la priorité numéro 1, ce machin-là. Chapitre 15. Teami, Mikkel, Nib et Buriaga retiennent par la force le débris qui menace de s'écraser. Joss et Pika, donc le mari et la femme, dans le long beam, lancent des câbles pour ralentir le débris en essayant de se propulser en arrière. Et après un effort de force incommensurable, le débris ralentit. Et là, ils étaient sur le point de secourir les gens qui étaient à bord du débris, qui est maintenant en fait en orbite tout simplement. Mais ils sont interpellés par l'alerte de Avar Kriss. Attention, priorité numéro 1. Chapitre 16. L'équipage du Aurora 9, donc ceux qui sont en train de secourir la station orbitale solaire en mode de pieuvre. Le capitaine Bright, Peoples et Petit Inamine ont secouru 7 personnes. Bright veut laisser le droïde s'occuper de la station pour ne pas qu'elle explose et partir. Parce qu'en fait, comme c'est décrit, il y a une espèce de jauge de chaleur et en fait, il faut que tu la régules manuellement pour retarder l'explosion. Et donc il dit, ok, je vais laisser le robot faire, le robot, il va crever, hein. Mais moi je vais pouvoir m'échapper et partir avec tout le monde. Mais Bright voit un 8e passager très mal en point, un Twi'lek, et donc il dit au droïde de le ramener, puis il ordonne à l'équipage de partir. Donc c'est lui, en fait, qui se charge de réguler le fait que la station n'explose pas tout de suite, pour permettre aux autres de s'enfuir. Inamine est évidemment triste parce qu'elle comprend ce qui se passe. Ils arrivent à s'enfuir avec le vaisseau et Bright est emporté par la lumière et les flammes. Chapitre 17. Avar Kriss atterrit sur la Fruited Moon.
elle ordonne. Alors c'est marrant parce que la Fruited Moon, c'est vraiment comme elle est décrite, c'est le rêve quoi. C'est vraiment ces trucs qui est super beau, super fleuri, avec plein de plantes et tout ça, tout joli, tout beau, de l'herbe verte et tout ça. Enfin c'est vraiment idyllique avec personne autour et tout ça. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir des visuels là, vraiment. Ça devient urgent. Et elle ordonne à l'amiral Cronara, donc qui est à bord du Third Horizon, de partir avec les milliers de rescapés. Parce que là, donc, je rappelle qu'il y a un débris qui se dirige vers un soleil et qui menace d'absolument tout exploser. Hein. Elle communique via la force, demandant d'utiliser la force pour rediriger le débris. Alors, c'est là où c'est intéressant parce que Avar Chris, elle, sa manière de concevoir et de communiquer avec la force, c'est de communiquer avec la force comme si la force était une symphonie, une mélodie, et elle se connecte vraiment à l'écoute, la musique de la force, et elle arrive à interconnecter toutes les personnes qui sont sensibles à la force, donc tous les Jedi, et à leur transmettre des messages. Elle est vraiment très puissante quand même, Avar Chris. J'aime beaucoup beaucoup son personnage, elle est très classe d'ailleurs visuellement, et en même temps j'ai trop envie de la voir, je sais pas, un acteur, une actrice qui pourrait, ou alors même tout simplement en animé. Et donc, elle arrive à connecter tout le monde, à leur passer des messages très rapidement, et donc elle l'utilise bien souvent, et comme ici, donc elle demande vraiment à tous les Jedi de dire, bon bah ok, là vous allez vous concentrer, et le débris qui est en train de se diriger sur le soleil, vous allez tout faire, tout ce que vous pouvez, pour essayer de le pousser et le décaler pour ne pas qu'il atterrisse, pour ne pas qu'il tombe dans le soleil. Première poussée, pas concluante, il y a des Jedi qui s'évanouissent, certains même qui meurent, mais finalement, ils parviennent à le décaler. Et Kiventar, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Kiventar, c'est celui qui est sous le joug du ministre de Ezzal Prime, le capitaine Eka, et qui est très bon dans tout ce qui est technologie. Il est dans l'office voilà, de Eka, sur la ville qui s'appelle Aguire City, et il a tout réussi à diffuser encore une fois, mais cette fois en images et à la galaxie entière. Voilà, donc toute la galaxie est au courant de ce qui se passe et sont au courant que la Haute République, les Jedi de la Haute République ont réussi à sauver tout un système grâce à la Force. Chapitre 18. 7 autres fragments avaient suivi leur route jusqu'au système nommé Abdalis. 6 d'entre eux ne rencontrèrent aucun obstacle et poursuivirent. Mais le 7e s'écrase sur la partie du système la plus peuplée et fit 20 millions de morts. Voilà, on te lâche ça comme ça, c'est juste un petit chapitre voilà, pour te dire que bah oui, il y a d'autres débris qui sont passés à côté et qu'il y a d'autres systèmes bah, dont les Jedi de la Haute République n'étaient pas à côté. Et forcément, ça fait des morts. Alors, en termes de débris, c'est là où c'est assez complexe à comprendre parce que il y a des débris qui sortent de l'hyperespace et qui arrivent sur des systèmes, et t'en as d'autres qui vont beaucoup plus loin, qui sortent de l'hyperespace un peu plus tard, je dirais même, je crois qu'ils sont pas forcément en hyperespace, mais ils sont presque à la même vitesse, ils sont restés à une vitesse constante, et des moments en fait comme ça, ils apparaissent à certains endroits, je pense que c'est ça, ouais, ils sortent vraiment de l'hyperespace à certains endroits, et de manière un peu aléatoire, et c'est pour ça, il y a des fragments tout simplement qui voguent dans l'espace, d'autres qui réussissent, comme sur le système Ezzal Prime, à être proches. Par exemple, là, il y avait le Third Horizon avec Avar Chris, etc., qui était pas trop loin, et c'est pour ça qu'ils ont pu agir. Mais il y a d'autres systèmes comme Abdalis, qui là, ben voilà, plus de 20 millions de morts, parce qu'ils avaient personne à côté, ils n'avaient pas été prévenus. Parce que si, voilà, sur Ezzal Prime, il y a eu Kiventar, qui a, lui, mais j'adore ce personnage. Vraiment, j'adore Kiventar. Au fil du roman, il est génial. Moi, j'aime vraiment. Et ben, il a prévenu tout le monde, et donc il a pu sauver son système. On arrive à la première interlude, il n'y a que deux interludes. Hein. En fait, voilà, le roman se forme en trois parties. Donc là, on vient de terminer la première partie. Et dans cette interlude numéro 1, on va nous introduire quelque chose, ou plutôt quelqu'un, ou plutôt des gens. Un groupe. Alors, 6 vaisseaux ont quitté le système Abdalis. Donc, ils ont réussi quand même à voir qu'il y avait des débris. Donc, avant que leur système soit anéanti, ils ont réussi à s'échapper. Larence Garello, à bord du vaisseau principal, qui est nommé Arbitrage, et son capitaine Odaba. Et Odaba est devenu riche via son entreprise Garello Technologies, dont il a
embarquer le tout à bord avant de partir. Donc c'est ça, en fait, il s'est expliqué qu'il a préféré limite embarquer ses propres technologies à lui plutôt que des gens. Il croise un nuage sombre et épais au milieu de l'espace, des tirs en surgissent et détruisent un vaisseau sur les 6. Puis il sort une armada de vaisseaux et un autre gros vaisseau aussi que j'ai pas noté, mené par les Nihil. Ah, les Nihil, qui éradiquent donc toute la flotte. Voilà, toute la flotte restante, donc là on t'a décrit un personnage riche, etc., mort. Et donc on t'introduit là les Nihil et les Nihil qui sont la menace cachée, parce que dans le synopsis un peu de la Haute République de ce Light of Jedi, c'était de dire qu'il allait avoir un grand désastre. Le grand désastre, c'est ce vaisseau, le Legacy Run, qui s'est démultiplié, qui s'est divisé à cause de ce qui s'est passé en hyperespace. Mais en fait, ça disait que derrière, il y avait une plus grosse menace. Et donc c'était ça, c'était la menace, c'est les Nihil. Et donc là, dans cette deuxième grosse partie, on va apprendre à les découvrir. Chapitre 19. Humeit, grande montagne sur Coruscant, et Linasso, donc la chancelière, se recueille avec ses Targons, Matari et Voru. C'est des espèces de gros lions, ou de gros chats, mais je dirais plus des lions, qui sont, en fait, c'est marrant parce qu'il y a, certains visuels de Linasso, où elle est montrée avec, sur son trône, en fait, avec à gauche et à droite ces gros matous là, ces gros lions, et ça donne beaucoup de prestance à son personnage, et c'est décrit, voilà, qu'elle est sur Humeit, une grande montagne de Coruscant, mais que pendant un moment c'était la plus haute montagne, en fait, le plus gros point, le point le plus culminant de Coruscant, mais que depuis, en fait, avec toute la technologie et tout le peuple et tous les buildings, en fait, qui sont construits autour, ce n'est plus apparemment la plus haute, mais ça reste un endroit qui a l'air très beau. Mais je crois que on le voit dans The Clone Wars. Cet endroit-là, peut-être que c'est connu, peut-être que même le nom de Humeit est connu. Il va falloir m'éclairer un peu là-dessus, parce que j'avoue que je ne connais pas. Donc ce sont des références que je n'ai pas, malheureusement. Participe ensuite à une réunion au sommet pour parler de la solution au débris, donc voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et elle ordonne, à ce moment-là, que l'hyperespace doit cesser dans la galaxie autour des systèmes touchés. Donc là, il y en a beaucoup qui sont pas contents, hein, parce qu'ils disent « Mais attendez, comment il y en a qui vont faire pour survivre? Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire ?» Il y en a qui vont pas être contents, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, elle est stricte, elle dit non, plus d'hyperespace, parce que l'hyperespace n'est plus sûr. Et on apprend qu'il reste 30 jours avant la cérémonie d'ouverture du fameux Starlight Beacon. Et les 30 jours, c'est en quelque sorte ce qu'elle donne Linasso, la chancelière, comme étant le délai pour résoudre le problème. L'objectif du Starlight Beacon, ça va être d'être une forteresse. Et en même temps, ce qu'il veut le faire, c'est créer des Starlight Beacon, mais dans toute la galaxie. Et celui-là ne sera que le premier d'un grand nombre de Starlight Beacon qui veulent le construire tout autour de la galaxie, jusque dans la bordure extérieure. Et donc le beacon, c'est vu comme étant à la fois une forteresse, pour essayer de faire en sorte que s'il y a des gens, en fait, qui s'aventurent à cet endroit-là, qui veulent faire du mal, bah voilà, il y a des forteresses de la Haute République qui sont là au cas où, qui peuvent donner main forte à des personnes avec des chevaliers Jedi pour faire rétablir l'ordre, qui peut aussi servir à des recherches, tout dépend le système qu'il y a autour du Starlight Beacon, tout ça, ça peut être un très bon moyen, en fait, de faire des recherches à l'endroit où le Starlight Beacon sera. Aussi un endroit pour enseigner la force, autre parc à Coruscant, donc pour toucher plus de monde, un espace aussi culturel, hein, qui sera adapté au système qui sera autour, et aussi, ça peut être médical, voilà, et qui peut être pris comme étant un relais. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que Linasso, la chancelière, décrit les Starlight Beacon, et je trouve que c'est une méga bonne idée. Chapitre 20. Réunion dans le Third Horizon pendant que des droïdes réassemblent des morceaux du Legacy Run. Il y a Avar et Elzar, donc les deux amis très proches qui représentent la République, qui sont là aussi. Et Avar Kriss a choisi délibérément Elzar pour l'accompagner, pour l'aider à devenir maître Jedi. Ouais, c'est ce que je disais au début. Keventar, mon ami, qui propose de rassembler en un point les directions des débris, pour essayer de déterminer, en fait, où est-ce que tout ça a démarré et où est-ce que les débris aussi vont continuer à apparaître. Et pour cela, il annonce avoir besoin que de
de milliers de droïdes. Voilà, des droïdes calculateurs, des droïdes navigateurs, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et Avar et Elzar vont rencontrer, eux, de leur côté, la famille Teka pour en apprendre plus sur l'hyperespace. Et là, c'est hyper intéressant. Parce que donc, d'un côté, tu as le côté technologique avec Kiventar qui, lui, va essayer de retracer les débris, le trajet des débris. Et d'un autre côté, tu as... déjà, tu vois les Teka. Alors, je sais que les Teka, ce sont une famille plutôt riche et qui existe depuis très longtemps. Bah, ça se voit ici, mais la première fois que j'ai entendu parler des Teka, c'est avec Lord Sun Teka dans Star Wars 7. Mais apparemment, ce sont une famille qui est plutôt connue. Alors, je ne sais pas si cette famille était canon à la base, avant, à part dans le 7, si on en entend parler autre part. Mais donc là, en plus, ils sont là et ils disent que, ok, on va en apprendre plus sur l'hyperespace. Donc tu apprends qu'en fait, la famille Teka sont les initiateurs, en quelque sorte, de l'hyperespace. Alors peut-être pas les initiateurs, mais en tout cas, comme on va le voir par la suite, ils y contribuent grandement. Et donc ce que je trouve génial, c'est que du coup, en fait, t'arrives à un moment où tu te dis, attends, je suis dans Star Wars, il y a des choses qui existent depuis tellement longtemps et qu'on a pris pour acquis dans Star Wars comme l'hyperespace, et là, c'est remis en question et on va en apprendre plus. C'est génial! C'est génial de remettre en question un concept comme celui-ci dans une période qui est totalement déjà ancienne, mais nouvelle pour nous, dans Star Wars. Chapitre numéro 21. Alors, il y a trois chefs Nihil, c'est là où on les découvre. Kassav, qui est un Wiké, Lournadi, qui est une Twi'lek, et Pan Eita, qui est un Dohutin, dans ce qu'ils appellent un No-Space. Alors, de ce que j'ai compris, c'est assez compliqué au niveau de la description, mais c'est une espèce de bulle comme ça qui les enferme quelque part sur une espèce de plateforme. Il y a l'espace en fait autour d'eux, c'est-à-dire que si tu tends le bras limite au bord de leur espèce de bulle, tu es dans l'espace. D'ailleurs, je crois qu'à un moment ils jettent quelqu'un dans l'espace pour le sacrifier. Enfin, on va le voir, je crois. Et donc en fait, ils ont une espèce de bulle autour d'eux qui les protège un peu du vide spatial. Et donc il y a Martian, je sais pas comment on appelle ça, mais Martian Ro. Qui donc lui c'est le quatrième, mais c'est pas un Nihil. On sait que son père avant lui sont ceux qui sont les guides et qui sont appelés The Eye. Alors son père est mort, hein. Alors The Eye c'est l'œil, hein. Et donc son père avant lui était l'œil pour les Nihil. On sait pas encore trop ce que c'est, et que maintenant c'est Ro qui est l'œil. Il y a un banquet géant en l'honneur des vaisseaux détruits, donc on comprend que c'est bien eux qui ont détruit les vaisseaux du Abdalis, et Ro convoque les trois chefs. Ro veut calmer les activités à cause de ce qui s'est passé avec les Jedi suite aux événements sur Ezzal. Mais il y a Lournadi qui veut absolument faire une mission, et lui il lui dit mais non, il faut qu'on calme un petit peu nos ardeurs. Mais finalement, il accepte la mission de Lournadi qui consiste à kidnapper sur Elfrona des membres d'une riche famille. Et je n'ai appris qu'après avoir terminé le livre que Elfrona, c'est une planète connue, et c'est une planète qui est dans... L'ascension de Skywalker, de Kylo Ren, que le comic que j'ai lu il n'y a pas longtemps, où il y a une espèce d'entrée de temple Jedi. Et donc j'ai découvert ça après avoir lu le livre, j'ai fait « Mais putain, mais oui, mais je connais en fait cette planète !» Chapitre numéro 22. Loden entraîne Bell sur l'avant-poste de Elfrona. Alors, de ce que je me souviens, tout simplement, en fait, il est en haut de l'espèce d'ouverture du temple, et en fait, tout simplement, il le pousse dans le vide, et il lui dit, voilà, maintenant, démerde-toi, quoi. Et il échoue à utiliser la force lors de sa chute, mais il avait tout prévu parce qu'il a été rattrapé par Indira au sol. Voilà, en fait, ils sont sur Elfrona, dans un avant-poste, et ils s'entraînent à cet endroit-là. Donc, c'est après les événements de Ezzal, hein, ils ont décidé de venir ici. Il y a Ogen's Hope, qui est la ville d'opportunité sur Elfrona, et il y a une famille riche qui est installée loin du centre. Et on se doute bien que c'est cette famille qui va être la cible des Nihil. Otto, le père, Erika, la mère, Ron, le fils, et Bi, la petite fille, et toute petite, se font attaquer par les Nihil. Mais eux, ils sont un peu plus excentrés, ils sont un petit peu plus loin du centre, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas au courant lors de l'attaque. Le trio de Jedi mange avec Engel, qui est un vieux maître de 300 ans, et à ce moment-là, ils sont prévenus de l'attaque. Chapitre numéro 23.
Avar et Elzar sur Naboo. Ils vont sur Naboo pour rencontrer les TK, c'est génial. Rencontre la descendante TK Marlowe et son mari Rélis. Ils sont riches car leur business est basé sur l'hyperespace et ils ont les moyens les plus rapides de naviguer. Ils disent que l'hyperespace est un chemin propre à lui-même et que rien n'aurait pu intercepter ces chemins-là. Ils disent qu'ils peuvent fournir les droïdes nécessaires pour Kevin Tarr. Alors, là, on apprend pas mal de choses dans le chapitre. Et on apprend que, voilà, comme je l'ai dit, les TK sont ceux, on va dire, qui trouvent un peu les chemins de l'hyperespace et ils les vendent, ces chemins-là. D'où le fait que, ils sont assez riches. Parce qu'ils trouvent, en fait, les moyens les plus rapides. Mais quand Avar et Elzar leur parlent du fait que les Nihil, en fait, aient réussi à croiser un chemin, limite, en hyperespace, ils s'interrogent et puis ils se disent un moment entre eux, ah, mais est-ce qu'elle serait encore vivante? Et là, on sait pas encore qui c'est, mais on va y venir. Mais en tout cas, même si il reste un petit peu secret, ils veulent quand même aider et c'est pour ça qu'ils vont fournir les droïdes nécessaires pour ce que veut faire Kevin Tarr. Dans le chapitre 24, Martian Rowe est à bord du Gaze électrique qui est conduit par la centenaire Marie San Teka. Et c'est là où, du coup, on fait le lien et on se dit, ah, mais c'est elle, en fait, dont ils se disent, ah, est-ce qu'elle est encore vivante et tout ça? Parce qu'en fait, depuis ses 6 ans, il y a un événement qui a fait qu'elle voit des chemins spéciaux en hyperespace. Ils appellent ça des paths en anglais, donc des chemins. Ce sont des chemins dangereux que aucun droïde navigateur n'autoriserait de sauter en hypervitesse. Elle est utilisée pour aider les Nihil, sans le savoir, parce qu'elle perd un peu la boule. Hein. Et puis, elle est aussi maintenue en vie par des machines. Parce qu'elle est totalement mal en point et tout, elle perd un peu la boule, mais au moins, elle s'éclate. Elle a trouvé des chemins et a dirigé un vaisseau. On dirait une gamine, en fait, tout simplement, alors qu'en fait, elle est super mal en point et elle est super vieille. Et Rowe lui demande de prédire les prochains débris. Parce que son but, en fait, il en parle aux trois chefs et il demande d'aller sur place pour voler ceux qui auront tout perdu. Donc en fait, ils ont juste à prévoir où vont s'écraser les débris, et puis après, ils récupèrent tout ce qu'ils veulent. Chapitre numéro 25. Les trois Jedi et Engel, donc sur Ephrona, foncent vers le lieu de l'attaque, là où la famille a été attaquée par les Nihil, la famille riche qui doit être kidnappée par l'équipe de l'Ornadi. Il y a Indira qui s'en va au loin alors que les autres visitent les deux maisons sans vie et brûlées. Ils comprennent qu'une famille a été enlevée par les Nihil. Attaqués par des mines intelligentes, ils s'en sortent mais leur vaisseau est détruit. S'ils veulent pouvoir rattraper les Nihil, ils ont plus qu'à chevaucher des sortes de montures, c'est des espèces de beaux chevaux quoi, et ils vont chercher les Nihil en espérant qu'ils n'ont pas décollé déjà. Mais ce qui est dit, c'est que sur cette planète, tu peux pas décoller facilement. Il faut que tu... En fait, tu peux pas atteindre l'hyperespace très facilement parce que il y a déjà toute une espèce de champ magnétique qui fait que déjà c'est assez compliqué. Il y a que certains endroits de la planète où tu peux décoller. Et après, pour atteindre l'hyperespace, il faut vraiment arriver assez loin en orbite. Chapitre numéro 26. Sur Edzal, le Panacea, qui est une frégate médicale, est là avec des droïdes pour soigner les rescapés. Le Wookiee Buriaga, donc je vous rappelle celui qui avait senti en fait qu'il y avait des êtres vivants, celui qui sent à travers la force les sentiments des gens, sa maître Nib Asek et le couple Joss et Pika sont présents. Ils soutiennent les survivants et récoltent de potentielles informations. Buriaga va consoler Serge, qui est un enfant de 10 ans, qui a perdu ses parents dans le crash, et raconte qu'il a vu 3 déchirures lumineuses avant le drame. Et donc c'est décrit comme ces 3 déchirures lumineuses comme le symbole en fait des Nihil. Mais à ce moment-là, les Jedi n'en savent rien évidemment. Chapitre numéro 27. La famille, donc qui a été kidnappée par les Nihil, est à bord des montures que chevauchent les Nihil, et ils voient les Jedi qui les poursuivent. Otto, le père, siffle pour ordonner les bêtes, donc ils sont en train de chevaucher, de s'arrêter, et ceci fit valdinguer, ça c'est mes mots à moi, hein, d'accord, les Nihil. Certains restent accrochés, ils se ramassent un coup de crosse dans la tête et s'évanouit, et Erika aussi, donc sa femme, reçoit un coup, donc elle est blessée. Puis ils continuent de nouveau leur route pendant que les Jedi les rattrapent progressivement. Chapitre numéro 28,
Kassav est à bord du New Elite avec son équipage et arrive depuis l'hyperespace sur Eriadu. Alors je vous rappelle, Kassav c'est l'un des trois chefs Nihil, donc qui est là sur, sur Eriadu, je vais vous dire ce qu'il vient faire là. Et Lournadi, elle, qui a envoyé son équipe en mission sur Alfrona pour récupérer la famille Riche. Alors lui, Kassav, il est avec trois acolytes, Gravan, qui est un bon tireur, Delek, qui est une femme mécanique, alors j'ai appelé femme mécanique, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle investit tout son argent dans des espèces de... En fait elle est un peu à la cyberpunk, c'est-à-dire qu'elle tune son corps avec plein de trucs mécaniques en fait pour essayer de se rendre plus jolie, parce qu'à la base elle est décrite comme... étant pas très belle, et il dit bah ok, elle devient plus jolie avec toutes ces upgrades qu'elle se fait à son corps, mais elle n'en devient que plus froide parce qu'elle devient un robot en quelque sorte. Et Wet Bub, qui est un décrypteur, et en fait je crois que c'est un Gungan, et en fait il s'appelle Wet Bub parce que wet ça veut dire mouillé en anglais, et donc c'est une sorte de surnom, et c'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Il contacte Kassav, la gouvernante du système Eriadu, qui s'appelle Mural Rin, et il demande des crédits contre un sauvetage des trois débris. Et oui, parce que lui, il sait quand est-ce que les débris vont arriver, ils disent, bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous sauve, eh ben, vous nous donnez des crédits. Et elle est un peu la gouvernante, elle dit, mais non, mais c'est... Peut-être que, en fait, c'est vous qui faites venir les débris, c'est pas juste des débris qui arrivent comme ça, en fait, vous avez tout le contrôle et tout, donc elle se méfie beaucoup. Mais tu sens qu'elle est... C'est pas juste une gouvernante, oh là là, j'ai peur, je suis une richou, tout ça. Non, non, tu sens qu'elle a du vécu. Au final, il obtient les crédits. Alors, je vous raconte quand même, il y a deux débris qui sont apparus, parce qu'elle, elle les croyait pas, elle leur a pas donné les crédits. Et donc, après le premier débris, pour histoire de prouver que c'était vrai, les Nihil détruisent le débris. Il y en a un deuxième, mais le débris passe à côté du système. Et là, il y a un troisième débris qui va arriver et il dit c'est maintenant quoi. Vous nous donnez les crédits, nous on calcule où est-ce qu'il va arriver et on le détruit pour vous. Finalement, elle lâche et elle leur donne les crédits. Mais en fait, les Nihil, ils ont fait un mauvais calcul et le débris s'échoue sur le système Eriadu et fait 1 milliard de morts. Voilà, donc en fait ils sont foutus de sa gueule et tout ça, mais ils ont fait un mauvais calcul pour le coup. Là, pour le dernier débris, ils sont pas foutus de sa gueule, ils voulaient vraiment l'aider pour le coup, mais en fait ils sont gourés. Et Rin, donc la gouvernante, a envoyé toutes les informations sur Kassav et son vaisseau à... Donc toutes les informations de Kassav et de son vaisseau à Nour, qui est une personne du gouvernement en fait sur Coruscant. Et à travers aussi toute la galaxie. Donc là, les Nihil commencent à être grillés petit à petit. Chapitre numéro 29. Kevin Tarr sur Edzal va démarrer le calculateur des milliers de robots interconnectés. Il met en route et la simulation se déroule tant bien que mal. Tarr tente de gérer la grande température générée par cette fresque de droïdes. Avar et Elzar se concentrent en fait pour former un nuage avec la chaleur et faire qu'il pleuve. Et la température diminue grâce à ça et ils obtiennent finalement la trajectoire de la 34e émergence. Chapitre numéro 30. La poursuite continue sur Alfrona. Un tir vient tuer la monture de Porter Engel, donc le vieux Jedi de 300 ans. Bel et Loden continue. Engel parvient lui à tuer deux Nihil et il est aidé pour le dernier par Ember, qui est l'un de son animal, on dirait un espèce de grand chien élancé, je sais plus comment s'appellent les chiens très fins, mais vous allez m'aider. Erika, la mère, a été éjectée mais récupérée par les Jedi, et les Nihil décollent avec un vaisseau. Le vaisseau fit face aux trois êtres au sol, donc les Jedi, hein, Bell, Indira et Loden. Et il touche gravement Loden, mais Indira arrive avec des vaisseaux. Loden, Bell et Indira chassent les Nihil, tandis que Porter Engel emmène Erika aux soins. Donc lui, il s'en va de la bataille, il amène la mère. Chapitre numéro 31. Pika et Joss, dans le Aurora 3, attendent un débris avec Teami et Mikkel dans des Vectors. Lournadi, dans son vaisseau fantôme, du même nom, observe la République. Son but est de détruire
la boîte noire, parce que c'est une boîte noire en fait qui contient toutes les informations du vol du Legacy Run et qui permettrait en fait de retracer un petit peu ce qui s'est passé et donc d'atteindre les Nihil. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est essayer de détruire le débris qui contient la boîte noire, parce que la République la cherche aussi. Celle-ci est détectée et s'enclenche alors une bataille de missiles où Teami est tuée. Alors là, ça va très vite, mais à la base, on a dit son vaisseau était invisible. Et à un moment, bah, elle se met à attaquer, donc elle devient visible, et c'est là où s'enclenche cette bataille, et la Jedi Teami meurt. Mais Lourna n'a plus de missiles, et décide alors de s'enfuir, car elle a échoué et a été repérée. Donc encore une qui s'est fait repérer. Chapitre numéro 32. Dante tente d'échapper au Jedi, qui la poursuit dans le ciel de Ephrona. Donc c'est là, celle qui conduit Dante, c'est celle qui conduit actuellement le vaisseau qui essaie de s'échapper avec le reste de la famille. Elle fait un appel pour demander un autre chemin d'urgence pour s'en sortir à Martian Row, et demande à Zouvler, donc son copilote, de jeter tout simplement la petite fille par la fenêtre du vaisseau pour ralentir les Jedi, parce qu'elle sait que les Jedi vont forcément prioriser le sauvetage. Chapitre numéro 33, le visionnage de la boîte noire révèle qu'un vaisseau des Nihil a croisé le chemin du Legacy Run. L'Inasso demande au TK si c'est possible, et ils disent que ça ne le devrait pas normalement. So ne rouvre pas l'hyperespace et demande de traquer les Nihil. Kevin Tarr suggère que leur base se trouve dans le système de Kour Nebula. Donc c'est là où ils se disent, tiens, on va peut-être pouvoir mettre la main sur les Nihil. Chapitre 34, dans le No Space, hein, ce qu'ils appellent No Space, des Nihil, Ro explique à Lournadi, Pan et Kassav que la situation s'empire. Kassav veut abandonner en partant seul. Ro le frappe pour lui dire qu'on ne fuit pas. Il fait comprendre que les Nihil, c'est sa vie et qu'ils ont des moyens pour devancer les Jedi. Lourna va sur Ephrona pour aider au kidnapping de la famille, et Kassav part intercepter le transport de la boîte noire. Parce qu'en fait, il est expliqué que la boîte noire doit être transportée autre part pour extraire le reste des informations par la République parce qu'il avait été endommagé. Chapitre numéro 35. Loden ordonne à Belle de sauter du vaisseau et de récupérer Bi, donc la petite fille qui avait été éjectée par la fenêtre. Il la rattrape, il se calme, parce que là, c'est comme l'histoire de la chute. Donc là, il est en train de chuter avec la fille, et là, il n'a pas le choix, il faut qu'il y arrive. Il se calme, il la calme elle aussi parce qu'elle est en panique, et il parvient à atterrir en faisant appel à la Force. Voilà, chapitre très court. Interlude numéro 2. Jorah Mali est à bord du Ataraxia, un vaisseau qui ressemble à un vaisseau temple. Elle participe au conseil de Coruscant à distance via une projection holographique. Il est dit qu'elle fera plus partie du conseil une fois que tout ça sera fini. Elle siégera sur le beacon avec son padawan Ref, donc c'est elle qui a été désignée comme étant celle qui va diriger le beacon. Les maîtres ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'ils doivent faire, attaquer ou ne rien faire, parce qu'il y a la fameuse, à chaque fois, le fameux dilemme, mais non, mais on est des Jedi, on est des gardiens de la paix, on n'est pas des guerriers, hein, on va pas à l'attaque nous-mêmes. Et Jorah Mali est la 13e et dernière à apporter son vote, et finalement, parce qu'en fait ils sont pas d'accord, ils sont en 6-6, et finalement elle décide d'aller attaquer. Chapitre numéro 36, Kassav attend la République avec une flotte d'une centaine de vaisseaux de Nihil. Contre toute attente, c'est toute une énorme flotte de la République qui arrive, comme si en fait la République savait où ils étaient, avec des alliés qui ont été victimes des débris. Kronara, donc celui qui dirige le Third Horizon, ouvre le dialogue avec les Nihil, mais les Nihil décident de ne pas répondre. Les Nihil tentent de trouver un chemin pour partir, donc ils demandent à Martian Ro, mais Ro est injoignable. Et il y a même en plus la flotte de Eriadu qui arrive. Donc la gouvernante là qu'ils avaient troqué je sais pas combien de milliers de crédits, alors qu'en fait le débris s'est quand même écrasé, donc là elle arrive. Et donc ils n'ont pas d'autre choix et ils décident finalement de se battre. Et c'est là où s'enclenche une bataille spatiale. Donc c'est là où on a encore une fois un ingrédient majeur des Star Wars et que j'ai envie de voir, j'aimerais trop voir. Chapitre 37, Loden félicite Belle pour son sauvetage et lui dit qu'il sera nommé chevalier Jedi une fois que tout ça sera terminé. Il se met en position avec Indira pour sauver le père et le fils qui sont encore dans le vaisseau des Nihil, en train de s'échapper de Ephrona. Indira récupère l'un d'eux, mais la flotte de Lournadi fait son apparition et ruine tout espoir. Chapitre numéro 38, la bataille spatiale entre les Nihil et la Haute République
dans le système de cure Nebula Ferrage. Les Nihils se battent sauvagement, utilisent des capsules de sauvetage explosives, du poison aussi, c'est des espèces de capsules qui répandent du poison un peu et qui passent à travers les vaisseaux, je crois, et qui... donc eux, ils ont des casques pour éviter de respirer ça. Donc ils se battent vraiment très salement, en fait, c'est décrit comme ça. La flotte de Eriadu approche, et l'équipage du Ataraxia, dont Joram Ali, décide de monter à bord de vaisseau et d'attaquer. Donc Joram Ali, je rappelle, c'est la personne qui devra après diriger le Starlight Beacon et qui avait décidé d'aller attaquer. Soudain, Martian Rowe envoie des Battle Paths, donc c'est des chemins de bataille spécifiques et qui permettent de sauter en hyperespace sur des courtes distances. Vous voyez un peu comme fait Finn et Poe au début de Star Wars 9, mais là c'est vraiment sur très très courte distance, c'est vraiment là à l'endroit où il y a la bataille. Et donc ça provoque d'innombrables collisions parce qu'en fait ils passent à travers les vaisseaux de la République, générant de nombreux morts, dont Joram Ali, la pauvre Joram Ali qui avait décidé d'aller se battre. Chapitre 39, Loden circule entre les tirs, donc de la flotte de l'Ornadi qui est arrivée sur Ebb Frona pour aider au kidnapping. Indira prend le petit et l'emmène loin avec son vaisseau. Loden, lui, monte à bord à son tour pour récupérer le père, mais il se casse une jambe en rentrant, et du gaz toxique apparaît, suivi de Nihil, dont l'Ornadi, qui ordonne de récupérer les deux évanouis, donc le père et Loden. Chapitre 40, Avar écoute la force, la musique de la force, et elle réussit à prédire où les Nihil vont réapparaître à chaque saut hyperespace. Ro appelle Kassav et lui fournit un chemin droit sur le Third Horizon, donc comme la manœuvre de Holdo, hein, il fonce dessus. Mais ça, Kassav ne peut pas le diriger, donc en fait, il comprend tout simplement que Ro, bah, il va sacrifier Kassav. Voilà. Donc ça endommage le Third Horizon sans le détruire. Ro pensant que c'est Kassav qui avait tué son père, donc c'est pour ça en fait qu'il a sacrifié Kassav. En plus, Kassav, rappelez-vous, il avait voulu fuir, donc c'est une sorte de revanche, hein, que Ro a pris sur lui. La gouvernante des Eriadu demande l'autorisation à la République si elle peut aborder le vaisseau maître des Nihil. Elle trouve Kassav qui est mal en point, qui est le seul survivant à l'intérieur, et elle le tue comme ça de sang-froid, et la bataille est terminée. Chapitre numéro 41, l'Ornadi est à bord du Gaze électrique avec Ro, qui joue avec le sabre de Loden qui a été capturé. Elle devine que Ro avait donné l'info de la localisation des Nihil à son espion. Donc Ro, derrière tout ça, il avait plus ou moins déjà tout prévu pour sacrifier Kassav en quelque sorte. Pour que la République les trouve, les batte et pense avoir anéanti tous les Nihil. Donc voilà, vu qu'il s'était fait gauler, et bien il s'est dit, tiens, ben, je vais réfléchir à une stratégie pour Kassav, il va passer à la trappe, mais au moins, la République vont croire que comme ils nous ont tous éradiqués, toute notre flotte, ils vont croire qu'on est vraiment tous morts, les Nihil. Donc ils vont nous laisser tranquilles. Ro tue en un instant Otto avec le sabre, donc le père de la famille, disant qu'en fait, il s'en fout de cette famille. Et c'était pas pour ça, en fait, qu'il avait demandé à l'Ornadi et son équipe d'aller récupérer la famille, mais qu'en fait, il avait en fait envoyé l'Ornadi sur Ebb Frona pour ramener un Jedi. Et donc c'est ce qu'il a réussi avec Loden, le maître de Bell. Chapitre numéro 42, réunion sur Coruscant, Lina So rouvre l'hyperespace dans la bordure extérieure. Il se méfie d'Enil, pensant qu'il pourrait ne pas tous être mort, donc il s'en doute quand même. Kiventar aurait mis au point un moyen de passer en hyperespace sans les droïdes chers et rares, donc c'est là où on apprend qu'en fait l'hyperespace est beaucoup plus simple comme ça. Donc ça viendrait de là, parce qu'avant... ils utilisaient des droïdes chers et rares pour calculer, des navi-droïdes, je crois qu'ils appellent ça. Et la République décide enfin d'inaugurer l'ouverture du Starlight Beacon. Chapitre numéro 43. Lenny, il regarde la rediffusion de la bataille pendant que Ro la commente. Il clame qu'ils sont désormais un groupe formant un tout, Lenny. Il dit qu'ils seront la tempête à l'échelle de la galaxie et vont instaurer la terreur. Ro va voir Loden dans sa prison électrifiée. Explique son but, Loden semble le reconnaître, et Ro dit que ses ancêtres avaient fait confiance un jour aux Jedi et qu'ils en avaient payé le prix. Donc là, Loden est capturé, et Ro, il va essayer de se servir de ce Jedi capturé, on ne sait pas encore comment. Chapitre numéro 44 et dernier chapitre, inauguration du Starlight Beacon, rassemblement des Jedi et des espèces de la galaxie entière. Bell, Indira et Porter Engels sont présents. Bell se demande où est passé son maître, et pour lui, il pense qu'il n'est pas mort, mais tout le monde dit qu'il est mort.
Les survivants de la famille riche, eux, donc les trois, hein, le père ayant été tué, les Blight sont auprès de leur famille sur Alderaan. Le trio Avar, Elzar et Stellan, donc les amis d'enfance, sont là aussi. Le deuxième étant finalement devenu maître, Elzar, il a eu ce qu'il voulait. Et il y a aussi Yoda qui est là avec des padawans. Et Lina So s'exprime rappelant les efforts, l'union, les morts et l'espoir amenés grâce au Starlight Beacon. L'espoir, toujours l'espoir. Et on a un petit interlude final, petit épilogue, où Avar et Elzar se baladent à un endroit reculé, beau et calme du Beacon. Ils prennent le temps de discuter comme jamais ils l'ont pu. Ils parlent de leur parcours jusqu'ici. Avar lui révèle qu'avec la mort de Jorah Mali, c'est elle qui tiendra le beacon, donc c'est elle qui a été décidée comme étant celle qui va s'en occuper, celle qui va tenir le Starlight Beacon. Elle l'invite à danser, il dit qu'il la rejoindra, et là il se met à avoir des visions du futur, du mal, et il reprend ses esprits, fébrile, et ce qu'il venait de ressentir, c'était le péché de tous les Jedi, la peur. Voilà comment se termine, et c'est là où j'ai envie de connaître la suite absolument. J'ai envie de voir un petit peu ce que vont faire les Nihil, tout ça, mais en tout cas, ça a été un super bouquin, et avec pas mal de rebondissements qui commencent très fort, très rapidement, et après c'est un peu une sorte d'enquête en fait, d'essayer de savoir ce qui se passe avec les Nihil. Il y a beaucoup aussi de liens hein, avec ce qu'on connaît, que ce soit Elfrona, Alderaan est cité, on a Yoda, l'hyperespace qui est au cœur en fait de ce roman. On en apprend beaucoup, des choses même inattendues, et c'est génial, les TK aussi, enfin bref, et puis on découvre aussi des personnages que j'ai envie de découvrir, limite du coup dans des romans annexes, même dans des comics, que ce soit Belle, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de voir ce qui va devenir, etc. Loden, j'ai envie de voir aussi ce qui va se passer, mais en tout cas, le deuxième s'appelle The Rising Storm, je crois, donc la montée en fait de la tempête, hein. On peut penser au Nihil, justement, comme Ro a dit, maintenant nous sommes la tempête, donc voilà. Je crois qu'il sort en juin, donc la suite en juin. D'ici là, je pense pas que je vais prendre d'autres romans. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé pour ce spoil complet du bouquin. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, eh bien moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.